Anne chez Isuzu, c'est toujours le D-Max qui fait l'actualité. Depuis l'introduction de la nouvelle génération en 2020, la voiture s'est révélée un vrai succès. Je crois que les clients, ils apprécient surtout d'un côté le confort et le luxe qu'offre la voiture et de l'autre côté l'envie de travailler à la robustesse. Avec des technologies qui permettent de répondre à cette double utilisation en fait. Tout à fait. Non seulement la voiture est super bien équipée, mais aussi au niveau sécurité, elle a tout à offrir et elle a été récompensée avec 5 étoiles à l'Euro NCAP également. Au salon, ce D-Max sera présenté dans une série un peu spéciale, je crois. On présente le D-Max Omuro. Omuro, c'est un volcan au Japon, pour être tout à fait précis. La voiture est basée sur le D-Max sur la version LSE et elle sera facilement reconnaissable à tout un tas d'éléments stylistiques, comme par exemple un badging sur les flancs et sur l'arrière de la voiture, un couvre-benne en couleur carrosserie, un éclairage LED à l'intérieur et un tas d'autres choses. En tout cas, elle vaut la peine.